Bonjour. Alors, quels que soient les doutes que vous pouvez avoir, cette séance d'hypnose est pour vous. Je suis Sandrine Belmont, je suis docteur en psychologie et hypnothérapeute. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la découvrir. Pour profiter pleinement de cette séance, je vous invite à l'écouter avec des écouteurs de manière à vous isoler, à vous mettre dans une bulle. Pour profiter au mieux. Et puis, asseyez-vous quelque part où vous êtes tranquille et confortable. Et contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous demander de fermer les yeux tout de suite. Au contraire, ayez devant vous un champ de vision dégagé. Et puis, fixez un point précis face à vous. Et imaginez comme un lien invisible entre vos yeux et ce point que vous fixez. Et pendant quelques instants, continuez de fixer ce point, tout en prenant conscience de votre respiration. Et en fixant ce point, vous pouvez respirer plus profondément, éveiller à ce que votre expiration soit lente, tranquille. Et puis, sans bouger votre regard, prenez conscience de ce qui se trouve à votre droite. Et mentalement, notez les éléments que vous voyez. Et puis faites la même chose sur votre gauche. Et puis en haut et en bas, sans bouger les yeux. Et en même temps, vous laissez votre respiration être très calme, très profonde. Maintenant, prenez conscience de tout votre champ visuel, les yeux fixes. Passez à une vision globale. Comme si vous pouviez regarder tout en même temps le point, mais à gauche et à droite et en haut et en bas. Et simplement à un moment ou à un autre, vous allez ressentir l'envie de fermer les yeux alors. Lorsque c'est le moment pour vous, laissez vos paupières se détendre. Laissez-les se fermer. Et en même temps, c'est l'occasion de vous centrer sur vous, de prendre un moment pour vous. Une pause. Un moment pour vous ressourcer, pour vous retrouver vous-même. Et à mesure que vous êtes là, et que ma voix parvient à vos oreilles, vous pouvez vous laisser aller encore plus à cette agréable détente. Rien d'autre n'a d'importance. Simplement laissez votre corps se relâcher. Permettez aux muscles du visage de se détendre. Relâchez les muscles du front, des paupières. Laissez les muscles des joues, des mâchoires se décontracter, les dents se desserrer. Concentrez votre attention à relâcher les muscles du cou, des épaules. Permettez à cette relaxation de s'installer dans tout votre corps, les bras, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Confortablement relaxé. Maintenant, concentrez votre attention à détendre les muscles du dos. Prenez conscience des tensions et laissez-les s'évacuer. Laissez-les s'écouler à l'extérieur de vous,
Avec chaque respiration, les muscles de la poitrine se détendent et cette agréable relaxation s'étend dans les muscles du bassin, les muscles des cuisses. Vous vous sentez de plus en plus relaxé, jusque dans les mollets, jusque dans les chevilles, jusqu'au bout des orteils. Tous les muscles de votre corps sont confortablement relaxés et vous éprouvez cette sensation de calme, de bien-être, de tranquillité. Et dans un instant, je vais compter de 10 à 1 pour vous. Et à mesure que je compte, permettez-vous d'aller encore plus profondément dans cet état paisible. À la fois ici, en même temps ailleurs, entre la veille et le sommeil. 10. Vous devenez deux fois plus profondément relaxé à chaque chiffre que je prononce. 9. Vous laissez aller plus confortablement. Et lorsque nous atteindrons le chiffre 1, vous vous sentirez merveilleusement détendu. 8. Entièrement calme, paisible. 7. Les bruits de l'environnement que vous pourriez entendre vous aident à vous relâcher encore plus. 6. À la fois ici, en même temps, ailleurs. 5. Laissez-vous flotter dans le temps et dans l'espace. 4. À la fois ici, en même temps ailleurs. 3. Vous êtes de plus en plus proche d'un état hypnotique profond et paisible. 2. Entièrement calme, détendu. 1. Vous vous sentez complètement relaxé, profondément détendu. Et vous laissez votre inconscient vous a mené tout à coup dans un endroit au milieu de la nature où vous vous sentez en parfaite harmonie avec la nature environnante. Regardez tout autour de vous. Observez les feuillages des arbres, les fleurs. Écoutez le chant des oiseaux. Tout est merveilleusement apaisant. Ressentez une légère brise qui danse dans vos cheveux ou caresse votre visage. La température est très agréable. Vous vous sentez vraiment bien. Vous arrivez sur un chemin. Ce chemin est votre chemin de vie. Ce chemin représente votre vie. Tout ce qui est derrière vous est votre passé, ce que vous avez déjà parcouru. Devant vous, c'est l'avenir. Ce que vous ne connaissez pas encore. Et là où vous vous trouvez sur ce chemin est le présent. Lorsque vous regardez derrière vous, vous voyez que le chemin s'éloigne, s'efface, se fondant dans les reliefs, la végétation. Si vous regardez bien au loin, parfois vous apercevez une partie de ce chemin qui représente probablement une période, un événement, une situation.
Vous pouvez aussi vous représenter les difficultés actuelles, s'il y en a, comme des obstacles sur ce chemin. Imaginez alors un moyen de les contourner. Peut-être un tronc d'arbre qui vous barre la route. Enjambez-le, contournez-le. Faites confiance à votre inconscient. Peut-être avez-vous une décision à prendre. Alors cette décision à prendre est représentée par un croisement, une fourche. Vous avez le choix entre le chemin de gauche et le chemin de droite. Imaginez les différences. Peut-être que l'un est plus escarpé, plus sombre, possède une végétation plus dense. Prenez ce temps. Peut-être que l'autre chemin vous paraît plus éclairé. Tout est plus lumineux, plus clair. Savez-vous quel but vous souhaitez atteindre au bout du chemin? Parfois, il peut être utile à un moment donné de s'arrêter, de se retourner et d'observer le chemin parcouru. Vous pourriez aussi quitter le chemin, vous mettre de côté pour prendre le recul nécessaire. Laissez votre inconscient vous guider vers le meilleur chemin pour vous. Mais vous pourriez aussi avoir besoin de prendre de la hauteur. Maintenant, vous vous élevez au-dessus du chemin, comme si vous étiez un oiseau. Vous prenez de la hauteur, comme si vous étiez en avion. Et de là-haut où vous êtes, vous pouvez voir que votre chemin de vie est parcouru de zones lumineuses. Elles représentent les moments de bonheur. Bien sûr, il y a des zones sombres aussi. Mais de si haut, tout paraît plus petit, moins important. Et finalement, ce sont les zones lumineuses qui prennent le dessus. Vous constatez que l'ensemble du chemin est très lumineux vu d'en haut. Alors vous regardez vers l'avenir. Et vous vous apercevez avec plaisir tout ce qu'il y a de positif, de lumineux sur le chemin que vous choisissez. Et intuitivement, naturellement, vous savez exactement lequel emprunter maintenant. Et ce chemin peut représenter tout ce dont vous avez besoin maintenant, peut-être une décision à prendre, peut-être simplement vous retrouver vous-même, être plus à l'écoute de vos besoins. Parfois, nous avons aussi besoin d'arrêter notre course, d'arrêter de mettre un pied devant l'autre pour observer, s'interroger
vérifier que nous allons dans la bonne direction. Et c'est exactement ce que vous faites maintenant sur votre chemin de vie. Et quelque part au fond de vous, vous allez garder cette image. À chaque fois que vous aurez un doute, à chaque fois que vous aurez besoin de vous connecter à ce qu'il y a de plus profond en vous, vous repenserez à votre chemin de vie qui, rappelez-vous, peut être comme vous voulez qu'il soit. Alors vous ferez une pause, vous regarderez en arrière un court instant pour voir disparaître le passé et vous pourrez regarder en avant de manière à voir quelle direction vous allez prendre. Et quoi qu'il en soit, votre inconscient vous permettra toujours de prendre la bonne direction. Il vous suffit pour cela de prendre le temps, de vous poser, de vous arrêter, de vous asseoir sur le bord du chemin, de prendre un instant pour reprendre des forces, savoir où vous allez, de vous élever au-dessus du chemin pour prendre de la hauteur. Car notre vision des choses est toujours différente. Lorsqu'on se met à distance, qu'on voit les choses dans leur ensemble. Alors à chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez fermer les yeux et retrouver votre chemin de vie et prendre la distance nécessaire à votre bien-être. Voilà. Et dans quelques instants, je vais vous ramener dans le présent, dans l'ici et maintenant, en comptant de 1 à 10. Et vous reviendrez en vous sentant vraiment apaisé comme ressourcé, avec l'esprit clair. 1. Vous êtes maintenant tout à fait apaisé. 2. Vous vous sentez à l'aise, paisible. 3. Vous revenez petit à petit dans l'ici et maintenant. 4. Votre corps retrouve ses sensations habituelles. 5. Ses perceptions habituelles. 6. Vous retrouvez la notion du temps. 7. Reprenez conscience de votre environnement. 8. Vous allez bientôt ouvrir les yeux. 9. En vous sentant en pleine forme. 10. Ouvrez les yeux maintenant. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la répéter. Parce que vous pourriez bien ressentir des choses différentes en fonction des écoutes et du moment. Surtout, n'hésitez pas à poster des commentaires, à vous abonner. Puis sachez que vous pouvez aussi retrouver cette séance sans les publicités sur mon application Instant pour toi. À bientôt.